Voici des prototypes de drones conçus localement par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs algériens au niveau de la plateforme technologique de Bousmaïl du Centre de recherche en technologie industrielle. En tout, plusieurs prototypes de drones, soit à aile fixe ou multirotor, sont réalisés ici depuis 2011. Ils sont destinés à l'agriculture, la collecte d'images et au contrôle des installations industrielles. L'aéronautique constitue l'activité principale de la plateforme technologique de Bousmaïl. Nous avons réalisé 4 drones à aile fixe. Donc, le ML1, c'est un drone à 1,4 m. Nous avons fait le test à Blabès en 2014. Le deuxième prototype qui concerne un autre drone à aile fixe d'1,7 m qui fait 100% en matériaux composites. Le dernier, c'est un prototype d'un drone tactique, le ML3 d'1,3 m. Nous avons jusqu'à maintenant 4 drones à aile fixe et 3 drones multirotors. C'est des drones destinés à des applications civiles, surtout dans le domaine agriculture, contrôle des terrains agricoles, inspection des installations industrielles dans le champ pétrolier, des hydrocarbures. Nous travaillons aussi sur un modèle hybride qui est le VTOL. C'est un mode entre les ailes fixes et les multirotors. Ici, une trentaine d'ingénieurs et de chercheurs mettent leur savoir-faire au service de l'industrie. Une machine CNC à découpe fil chaud qui a été réalisée avec des matériaux locaux, avec nos ingénieurs et nos capacités, qui nous a fait gagner beaucoup de temps en termes de réalisation de structures de drones. Dernièrement, nous avons signé un contrat concernant la réalisation d'un drone multirotor, un Octa, dédié à l'agriculture. Lieu de formation pratique et de démonstration pour les étudiants des universités, cette plateforme opérationnelle depuis 2008 dispose de moyens nécessaires destinés à la recherche et au développement de projets scientifiques. L'atelier dans lequel nous sommes en ce moment est un atelier de fabrication et de structure. Et comme vous êtes en train de le voir, l'atelier contient 4 zones principales. Il y a une zone sur la fabrication, il y a une zone de soudage, une zone des matériaux composites et une zone de contrôle des installations industrielles. À travers la réalisation de cet atelier, on est passé dans nos activités de recherche de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Donc ce que vous voyez ici, c'est des installations réelles qui permettent aux jeunes ingénieurs, aux jeunes stagiaires venant de l'université de faire leur formation. L'atelier donc contient une partie d'usinage qui permettent la fabrication de pièces de différentes dimensions, notamment certaines d'entre elles destinées aux drones. Il contient aussi la partie soudage, qui est un lieu aussi de formation et de qualification. Cette station de contrôle des vols a été également réalisée ici par les ingénieurs et les chercheurs de la plateforme de Bousmaïl, une structure fortement liée à l'université. Et